Quoi? Nous voici à l'épisode numéro 11, une aventure zone. Oh, bon ça, c'est quoi cette affaire-là? Oh là là, ok. On a quelque chose que je veux pas mettre en chat, qu'on voit là, il est bien gros. Mais il y a des aigles à tête blanche, par exemple, ici. Ça. Je suis rendu à mes aventures. Ah, ça fait longtemps qu'il laisse, on dirait. Ah. Ouais, c'est pas vrai trop, je dis. Il y a des ici des ailes juvéniles là-bas. Vous avez vu? Je fais que c'est ça. La semaine passée, je suis venu. Mais un lundi, il n'y avait rien du tout. On avait tout écrasé. Hein? Je suis venu pour rien. Donc je dis, je sais pas ce que je vais trouver. Ça, c'est un mystère. Ouais. Ça commence par un vieux 27 ans, mais il était fini. Bon. Oh. Hop là. Bon. Drôlement parti, Eric. Je trouve rien pour l'instant. Ouais. Il y a des paquets de moins, tu il y en a plein. Ça là. Il y a des c'est un aigle juvénile, ça. Que vous venez de voir décoller. C'est un aigle juvénile, ça. Ouais. Bon. Ah, c'est quoi ça? Qui c'est ça? Un gros pot. Un gros pot. Je sais pas du quoi. Je vais pas filmer par là-bas parce qu'il y a une affaire. Je l'abattais puis je vais pas le mettre sur mon vidéo. Ouais, je le vois. C'est pas pour rien que je fais ça. Ah, je dis, c'est vraiment de quoi? Je suis venu quand même. J'avais annoncé de la pluie pourtant, mais finalement, il fait beau. Ouais, bien gros ça! Ça! T'as quand en bon état? Une grosse affaire pour... en vitre. Même pas cassé. Ça, là! Mais dommage, il est trop gros, je peux pas l'emmener. Tiens, c'est quoi ça? Hein? C'était un CB, ça? Voyons, ça fait là, ça. Ah oui, un CB, ça. Tiens les becs. Ça, là, c'est mieux, là. Non, le filet était sectionné. Le filet était coupé. Ah oui, le filet était coupé. Ah oui, le filet était là. Il était coupé. Bon. Ah, il y a d'autres affaires là-dedans. C'est quoi ça? Tiens, on va mettre mon sexe. Bon, tiens. Tiens, c'est quoi là? Il y a une autre affaire là-dedans. Je sais pas c'est quoi. C'est pour ça d'être là, c'est brisé ça. Ah. Bon. Hop là. Un speaker. C'est quoi ça, ça?
une drôle de machine, je sais pas trop quoi. Puis ça. Hey, je reconnais ça. Ça va après les antennes, ça. Ben oui. C'est une antenne de CB, ça. Voilà l'antenne en question. L'équipement est complet. L'antenne. Ça. Eh ben. Faut pas que j'approche les aimants de mon chat parce qu'il y a mes câbles dedans, non? Je fasse attention avec ça. On va le mettre là. Ça va le mettre dessus, ça. Et voilà. Non, mais quand même, c'est bien gros cette affaire-là. Une table en vitre. Eh ben. Ça aurait été utile pour Chino, là. Mais dommage, il est trop gros. C'est juste ça qui est dommage. Il est très gros, même. Bon. Ouais, la semaine passée, je suis venu ici, puis il n'y avait rien pendant tout. J'étais venu un lundi. Là, je suis venu aujourd'hui, là. Parce que dimanche passé, il a mouillé. Toute la journée. Jusqu'à la fin de soirée, quasiment. On va faire 8h, 9h. 8h, 9h, ça. Qu'est-ce que c'est? Du chêne. Des bottes. Des grosses, là, on dirait. Ça m'en va. C'est quoi ça? C'est quoi ça qui a attiré mon attention, ça? C'est quoi cette affaire-là? Aïe, aïe, t'as mis mon dimension métal. Ouch! C'est quoi cette affaire-là? Des décorations? Ben oui! C'est des décorations de Noël, ça? Ben. C'est pas des décorations de Noël, mais c'est des décorations. Plutôt modernes. Allez, des gros grêlots. Ah, l'autre qui est là. Il y en a deux. Ça, c'est des styromousses. Ça encore rapproché, ça, voyons. Là, j'ai trouvé un drap tantôt pour mes chiens. Un drap là, tiens. C'est une grande couverture. C'est une moindre couverture. C'est pour. Il est direct là, non? Regardez. Ouais, il est pas là. Qu'est-ce que c'est là? Un robot. Moi, c'est de robot. Un robot. Ah, peut-être que je vais pouvoir trouver des affaires dedans qui pourraient être utiles. Je sais pas. Le drap il doit être là, non? Il est mis, c'est ça. Il doit être là, non? Une petite couverture. Avec des chiens dedans, dessus, des labradors. Oui? Je vais le mettre ici, non loin. On va le mettre là, puis on va le ramasser tantôt. J'ai caché les choses, celles que je voulais pas voir sur mon canal YouTube. Voilà. Ah, des affaires, des cutex. Des cutex. Ah, je dis, c'est vraiment. C'est vraiment pas fort, mes aventures. Je trouve pas grand-chose d'intéressant. Pourquoi j'ai trouvé quelques affaires, là, mais. Pour dire. Tiens, pas couchage. Pareil comme chez nous. Es-tu cassé? Il n'y a pas de la cassée pourtant. Il n'y a pas de la cassée. Je suis. C'est pas cassé.
les fils. Ça doit être les fils du téléphone, ça. Les fils d'internet. Voilà, on est là-bas. C'est quoi ça? Ici. Adapteur. 19 volts, ça va pour les ordinateurs, ça. Ah, il y a des fils audio là-dedans aussi en même temps. Je vais mettre ça. Il y a un petit loup là. Encore d'autres fils d'internet. On va le mettre dans les poches là. Parce qu'il y a des fois, je cherche des fils d'internet et j'en ai même pas. Chez nous. Moi, des fils de choses. Ah oui. Il doit y avoir grand chose. Ah, un thermostat. Non, il y a plus grand chose là-dedans. Mais il y a beaucoup de fils de même, coulons. C'est pas grand chose d'intéressant. Encore des fils d'internet, je suis à la même place que l'autre. T'as vu? Bon. Ok, c'est quoi ça? Les fils, j'ai vu tantôt. Ça attire mon attention. Une attention, non? On le file. En fait, c'est un fil audio, ça. Regardez, il y a des bouts. Il y a des bouts là-dedans. Mais c'est entremêlé. Ouais, c'est des fils audio, ça. Ben, auxiliaire que tu prends dans les écouteurs. C'est tout mêlé. Le voilà. Ouais, c'est exactement ça, des fils d'audio. Adopte, je dis, je trouve pas grand chose d'intéressant. Parce que ça a l'air mal parti. Je sais même pas comment il dit qu'il y a là-dedans. Ils ne disent même pas. Actuellement, ils diraient sur le métal ou bien sur les choses. Ils ne disent rien. En tout cas, on va voir à sa maison. Je crois que c'est un DG encore. Bon. Ça pourrait être utile, ça, pour un ordinateur. On va l'envoyer avec les fils là-bas, oui. À la même place. Tiens, toi. Je vais l'envoyer à la même place, les fils. Si j'y trouve. Non, je trouve pas grand-chose d'intéressant, je veux dire.
pro. Je sais que c'est pas moi qui décide qu'est-ce qui se trouve ici, ce sont les gens. Des affaires variées. Des papiers, des choses de métal, des choses de chevaux de quoi. J'en ai pas la moindre idée. En tout cas. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé, c'est des vieux radios anciens. C'est les vieux stéréos là, gris là. Ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé de ça. Ah là, cette année, ça n'a même pas de l'aide parce que ça. C'est déjà ma 11e épisode et j'en ai trouvé zéro. Et la dame, revois sa maison. Je suis arrivé à 11h15. Chez nous, j'ai marché bord de chemin pendant un bout de temps. Puis là, un soir, avant de m'en venir, j'ai trouvé du noir d'une heure au dol. Des fils variés, que vous voyez là. C'est varié, puis la fameuse clé USB. Je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans, mais je vais essayer ça à un moment donné. Mais ce que j'ai trouvé de plus intéressant à la dernière minute, c'est ça. Des lumières solaires. Ouais. Bien gros. J'en ai déjà eu des affaires d'œil, mais dans le passé, je pouvais planter ça, puis ça faisait. Je mettais ça au soleil, puis après ça, ça faisait une luminosité. Ça flashait en un après l'autre. Sur le milieu, je suis tout mélangé. En tout cas, des médicaments. J'ai trouvé des fils aussi. Des fils bizarres. Puis j'en ai d'autres fils là-bas, ils sont cachés. Je les ai cachés en tout cas. C'est des fils de chevaux de quoi. Ça, c'est des fils de chevaux de quoi, c'est. Mais je l'ai coupé. Je crois qu'il y a juste 4 fils dedans. Ça va mettre utile à quelque chose. Pour mon antenne. Ah, bon, ça, j'étais un peu fatigué, là. Mais écoute, ça va aller. Fait que c'est ça. Mais là, il essaye cette là. Ça, c'est le merde de Noël. Là, je vais les essayer. Que j'avais trouvé ça. Ah, donc, mais c'était. Caché. Là, c'est où c'est le bout là? Le bout, il est là. Bon, ok. Oh, come on. C'est quoi là? Bon. Bon, désolé. Je suis assez entremêlé ces fils-là. Non, mais on va voir si ça fonctionne ces lumières-là. J'ai même pas essayé. J'étais allé prendre les deux, j'ai eu chaud toute la journée. Là, mon gros chien. Je l'ai fait rentrer tantôt. Là, maintenant, on va l'essayer, voir si ça s'allume. 3, 2, 1, go! Non, ça s'allume pas? Ah, dis-moi pas. Brisé ou quoi? Ah! T'es mal branché! Ah ben! Ça fonctionne! T'es mal branché! Vous avez vu ça? Je pensais que t'es brisé! Hein non, il était mal branché! Ben la cause! Je pensais qu'il fonctionnait pas, mais c'est des lumières au DEL blanc! Waouh! Je crois que je l'ai donné à quelqu'un dans la communauté qui en a besoin pour sa galerie le soir! Je sais pas là! Je vais regarder si ça fait la même affaire sur les sites. Bon. Je crois qu'il m'a placé là, non? Non, il craque. Je pensais que t'es brisé. Je pensais que t'es brisé, mais je reviens pas. Les mêmes personnes, ils jettent ça, ça coûte cher ces lumières-là. C'est incroyable. Mais ce qui m'a aidé, je demanderai ça à un moment donné. Bon. Pour l'instant, ça va aller là, ça.
J'en ai pas. Oh, bien. Ok, ça m'a pris ça. Pas bien mal ça. Non, mais quand même, ça vaut cher, c'est une allée, ça, c'est easy. Installation facile avec des clips. C'est par là que tu mets les clips pour les installer. Mais c'est au dél blanc. Fait que c'est ça. Puis j'ai ramené la couverture de Michel dans la laveuse. Demain, je vais faire du lavage. Hein. Pour les écouteurs de Xbox 360. Je suis un bon étourdi. Hein. Ah oui, allez voir. Finalement, gros. Tous des paquets de vues aussi. Même des adapteurs de BlackBerry. Mais, par exemple, ça peut être utile pour les prises USB. Les cellulaires standard. Ah, des fils de téléphone, tu sais, j'en ai besoin de ça, je vais faire de quoi avec ça. Ça, c'est certain. Il y a 4 fils dedans. Je vais l'installer sur mon antenne. Pour l'alimentation de ma lumière, mes photocelles, parce que mes photocelles, la lumière a été arrachée l'autre fois. Il a été arraché de deux bouts, en haut puis en bas. En bas, avant de rentrer dans la maison, il y a quelqu'un qui a déconnecté ça. Je ne sais pas quoi ça, regardez ça. J'ai jamais vu une affaire de même. Vous voyez ça, il y a deux prises USB différentes. Des grosses prises. Aucune idée de quoi ça. Des fils HDMI. C'est ça. Cette aventure-là n'était pas très bon, mais. C'est pas moi qui décide qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Mais c'est les gens. Ou non, fait que, hein. C'est un peu plate. On trouve des vieux stéréo. Mais j'espérais de trouver un vieux stéréo comme dans l'année passée, j'en avais trouvé beaucoup. Je crois que j'en avais trouvé 4. Cette année, j'en ai trouvé 0, encore 0. C'est la 11e épisode que je vis. Je n'en ai pas trouvé. J'ai vérifié partout, j'ai vérifié dans les boîtes, j'ai ouvert des sacs, puis je suis tombé sur quelque chose de pas très beau. Je l'ai enterré. Comme vous avez pu le voir, là, je ne vous l'avais pas vu. Ça, là. Fait que. Je l'ai enterré en dessous des. J'ai mis des boîtes de carton dessus pour pas qu'on le voit. Fait que merci d'avoir regardé cet épisode-là. Moi, je sais pas ce que j'en fais, mais je crois que j'ai dormi. Je suis fatigué, là. Oh ben. C'est un peu fatigué ma journée. Fait que, hein. Un gros tenette. Qu'est-ce que t'as là? T'es en train de sentir de quoi t'as, mon gros. Mon gros mal-aimé. Mon gros. Mon gros bébé. Mon gros bébé. Elle l'aime beaucoup, celle-là. Oh, c'est quoi ce grognement-là? C'est quoi ce grognement-là, votre papa? Hein? Tu grognes après papa? Oh, oh, vous attendez ça? Il grogne après moi. Mon gros bébé. Bon, ben merci. Fait qu'on se retrouve pour l'épisode numéro 12 ou autre chose, ok? Bye!